Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mardi, le deuxième numéro de la semaine. On va revenir autour de l'actualité, comme d'habitude, qui reste dominée par l'incendie du lycée Mwanga de Kolwezi. On enregistre déjà un premier cas de mort parmi les victimes. Il s'agit d'une fille de la sixième année primaire qui a succombé de ses blessures ce mardi 25 avril. On va essayer de revenir encore sur ces drames qui a frappé la ville de Kolwezi. L'actualité, c'est aussi la sortie officielle de l'Union Sacrée qui est annoncé pour ce samedi 29 avril au stade des Martyrs. L'on annonce une grande mobilisation. Les pasteurs, les églises, on va les dire comme ça, sont également associés à cette activité. Mais pour quelle fin? Est-ce que c'est dû à l'incapacité de tous ces leaders de l'Union Sacrée de mobiliser? On en parle au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi la marche du 13 mai de l'opposition, on ne va pas l'oublier, on va revenir sur ça. Quels sont les enjeux de cette marche? On a essayé de lire à travers les réseaux sociaux, les opposants évoquent la viseur, la situation sécuritaire, mais aussi les élections dans le délai. On va donc tenter de décrypter de fond en comble cette question. La question également des mandataires publics suscite des grandes interrogations au sein de l'opinion. Les décrets du Premier ministre qui accordent des avantages aux mandataires des entreprises publiques, pour certains, contribuent à la mort de toutes ces entreprises ou établissements publics. Pour parler de toutes ces questions, je reçois sur ces plateaux Yves Bouya, journaliste, analyste politique. Bienvenue. Merci Hervé Touma pour l'invitation. Comment allez-vous? Ben, comme disent les Quinois, moi vraiment fort. Hein. Bien habillé, un peu comme le leader de votre commune, le pasteur Godin Pouy. Non, le pasteur Godin Pouy n'est pas un leader Bandal. Mais c'est lui qui contrôle Bandal. Il ne contrôle pas Bandal. Le seul élu de la commune de Bandalungwa. Il avait bénéficié des soutiens des églises catholiques. Des réveils. Des réveils. Mais c'est pas un leader. Qui connaît Godin Pouy à Bandal? Peut-être à la limite sa petite plateforme dynamique Godin Pouy. Qui connaît Godin Pouy à Bandal? Personne ne le connaît. Donc c'est quelqu'un qui a bénéficié d'un large soutien des églises des réveils. Et c'est pour les raisons pour lesquelles il s'accroche à cette structure dynamique Godin Pouy, mais qui n'est qu'une structure de pacotille. Et pensable qu'en s'accrochant à la structure, soit à la dynamique des églises des réveils, qui lui a porté comme plein de personnalités importantes, influentes, qui sera réélu à Bandal. Moi, je ne vois pas Godin Pouy être réélu à Bandal. Pourquoi ce Godin Pouy peut avoir un autre mandat à Bandal? Qu'est-ce qu'il a fait pour Bandal? Lui qui déjà. Il a créé la fondation Godin Pouy qui a saigné la commune de Bandal. La fondation Godin Pouy balaye les rues de Bandal, reverse les sables dans les caniveaux. Ça reverse les sables dans les caniveaux. La fondation Godin Pouy. Et c'est des gens qui sont impayés. Hein? Comment ça? Mais moi, je suis natif des Bandal. Les gens, des fois, quand je suis sur les rues des Bandal, je suis en vadrouille. Je vois si les gens de la fondation Godin Pouy ont été déballés pour dire « Papa, paye-en à 500. Papa, paye-en à 200. » C'est des gens qui ne payent presque pas. Que moi, je dépanne. De temps en temps. Qu'est-ce que Godin Pouy a fait à Bandal comme responsable de la ville? C'est lui qui te gère la ville. Il est l'exécutif provincial de la ville. Il a la tête de la ville. C'est l'autorité même de Godin Pouy, de Jean-Tony Ngobila. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a un véhicule balayeur. Donc je pense que ces jours-ci, je ne le vois plus, ce véhicule. Mais s'il avait un véhicule balayeur devant son église, où c'était écrit mentionné la fondation Godin Pouy. Mais ce véhicule balayeur-là, je ne sais pas si ça a été acheté. On va parler d'actualité. N'a jamais sillonné les rues des Bandalungwa. Donc tout ça, c'est simplement parce que j'ai dit que vous avez mis une chemise qui ressemble à celle de Godin Pouy. Moi, je n'aime pas parler des matériels. Moi, j'aime parler Congo. S'il faut aller en profondeur, qu'est-ce que Godin Pouy représente en termes de spiritualité? On va pas aller sur ces terrains. Les danses qui nous exhibent comme à la manière des Inos B. Il croise les bras. Il te bouge. Ce sont quoi? C'est déhanché. Quand on voit ces images. Vous ne priez pas? Je les vois dans les TikTok. Je le vois dans plusieurs images. Quand on voit ces images-là, est-ce qu'on dit... Il est fait pour la gloire du Seigneur. Il n'y a rien de Dieu dedans. Un homme de Dieu ne te parle pas accoutrément. Il est dans la spirituelle.
spiritualité. Il te parle pas les matériels. Est-ce que lui il parle du... Mais quand quelqu'un... Est-ce que lui il parle de ses matériels? Quelqu'un a des vestimentaires qui posent problème. Oh. Des fois contrefait, des fois on ne sait pas si c'est... Ça, on ne sait pas. On va parler... Quand tu vois un homme de Dieu vous parler matériel, accoutrement, un homme de Dieu vous exhibe des pas de danse comme Inos B, comme Robin de Mundibu, comme Fali, comme Ferré, et puis vous dit ma bina et outil n'a l'eau le roi David. Non, il n'y a rien de Dieu dedans. Très bien, on va parler. Et ne vous faites pas, c'est trop délicieux. Voilà, Yves Bouillard. Kodempoï, pour moi, les bandas, les Ndalois sont conscients. Très bien. Kodempoï est à la gestion de la République. Il est député provincial, président de l'Assemblée provinciale. Je pense et j'estime que les Ndalois ont vu ce que c'est, soit ce qu'a été sa gestion. Très bien. Et je ne pense pas que les Ndalois vont renouveler leur confiance à Kodempoï au lendemain des élections du 23 décembre 2023. La campagne électorale si n'a pas encore au mois de décembre 2023, la contre-campagne. S'il y aura, c'est pas une contre-campagne, c'est des vérités que j'ai dit comme un fils de Bandal qui parle Bandal, qui connaît les réalités des Bandal. Très bien. Ouais, même moi, je bouillais si je me présentais comme candidat député provincial à Bandal, j'ai battu Kodempoï. Mais je ne mâche pas mes mots. Je ne veux pas entrer dans cette politique. Bien que je n'ai pas encore levé l'option. Je serai candidat ou pas, je n'ai pas encore levé l'option. Mais si je me présentais, oui, les gens ont besoin de moi. Mais ça, je l'ai dit, si je me présentais comme candidat député provincial à Bandalungwa, si je l'ai dit, si je n'ai pas encore levé l'option, si je me présentais, et moi, Bouya, j'ai battu Kodempoï. Très bien. Et à peine de couture. À peine de couture. Trop sûr. Parce que non. Mais je suis un fils Bandal, aimé par les enfants. Il est aussi un fils Bandal. Non, Kodempoï n'est pas un fils Bandal. Je connais chez les Kodempoï, de là où il est venu du Kassai jusqu'à où il est venu habiter là. C'est l'avenue Louvemba, numéro 1. C'est vers la station Moula, la maison de papa Molé là. C'est une double pensée qui s'élargit jusqu'au niveau de la station Moula. Ce n'était pas ça les sujets. Donc, ce n'est pas ça les sujets. C'est pour dire que non, je suis fils Bandal. Très bien. Les Ndalois, Ndaloises me portent. Je n'ai pas encore levé l'option d'être ou pas candidat aux prochaines élections. Mais si j'étais candidat, je battrais à plat de couture Kodempoï. Très bien. Mes salutations à Dou Jésus Belédou, un autre natif de Bandal. Ben, Kodempoï. Un autre Ndalois. Oui, Dou Jésus n'est pas plus Bandal. Ok. Il adore Bandal, Dou Jésus. Mais il n'est pas. Il a habité Bandal. Mais quand vous suivez sa jeunesse, il a plus passé sa jeunesse avec Edmond Izouba. Ok. Je crois, Dou Jésus est de Lemba. Ok. Dou Jésus est de Lemba. Très bien. Il a grandi à Lemba, il avait ses études on à Lemba, il a évolué avec Edmond Izouba, mais il a porté aimé Bandal. Ok. Mais il est de Lemba. Très bien. Dou Jésus de Lemba, que je salue, je le trouve un peu malade. Je pense qu'il va se rétablir. Il adore toutes ses maisons. Pendant sa jeunesse, hein, il a vraiment été locataire à Bandal dans 3-4 maisons que je connais bien. Très bien. Avant maintenant de se rendre de louer à Kitambo. Très bien. Yves Bouya, lundi 24 avril, c'était une journée sombre pour la population des Lualaba en général et celle de la ville de Kolwezi en particulier. À la base, l'incendie qui a frappé le lycée Mwanga, je pense, dans la ville de Kolwezi, plusieurs cas de blessés parmi les élèves. Et ce matin, nous apprenons la triste nouvelle du décès d'un élève de la 6e année primaire qui a succombé de ses blessures. Comme père de famille, avoir les images de ces enfants de 7 ans, 8 ans, 10 ans qui sautaient du près de la toiture pour tomber, c'était quoi votre première réaction? J'ai été complètement écœuré. J'ai eu des larmes aux yeux de voir des images comme ça, des enfants sauter du haut de la toiture de cette école-là qui avait à peine la dizaine, hein? Ouais, ouais. La dizaine. Exact. La dizaine. C'est les élèves de l'école primaire. De l'école primaire. Vraiment secoués en danger. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont mérité, ces enfants? Mais pourtant, les gens nous avaient dit que cette école était la meilleure école du doigt là-bas. Les gens nous ont dit, parce que la première dame était allée faire don là-bas.
avec Madame Masuka. C'était pris comme une école de référence. C'est la raison pour laquelle Madame Denise Nyakero, la première dame, était allée faire des dons là-bas. Bien que certains dons s'étaient extampillés Fifi Masuka. Mais elle est allée faire don. Si la première dame était allée faire don dans cette école, c'est que c'est une école prestigieuse au niveau du là-bas. Mais quand on parle d'une école prestigieuse, c'est que ça remplit les normes. C'est là où ici il faut rénover, révolutionner l'enseignement. Une école doit être appelée école si elle est viable. Quand je parle de cette viabilité, j'ai fait à la maison allusion des extincteurs dans ces écoles. Est-ce que cette école-là avait des extincteurs? Il n'y en a pas. C'est des questions que je me pose. Parce que ça a été réputé une école viable et la première dame était allée même remettre des dons. Parce que j'ai vu la première dame tuter sur ça. Donc c'était pris comme école de référence de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Quand on prend la première dame, on l'associe, on l'amène, elle fait non, elle prend une photo avec des élèves. Un selfie avec les élèves, elle a remis des noms, c'est que c'était une école considérée viable. On ne pouvait pas amener la première dame de Denise Nyakero dans une école non viable. Mais comme école, cette école Mwenga, je pense, Mwenga ou Mwanga, c'est Mwanga, je pense, remplissait telle des conditions, des normes. C'est là où on va parler de la viabilité. C'est là où des fois je salue aussi les combats que mène l'acteur ministre de l'éducation, Tony Mwaba, quand il fait des descentes et des rondes dans différentes écoles où il palpe du doigt la viabilité de certaines écoles. Comment ces écoles dites non viables obtiennent-ils des agréments? C'est ça notre débat. Quand on parle à l'école Mwenga, on dit que cette école-là remplissait des conditions. Oui, mais est-ce que ça avait des extincteurs? Quand il y a feu, un incendie qui s'est déclaré, on recourt directement à la première position, au premier chemin, la première solution, ce sont les extincteurs qu'on recommande dans toutes les écoles, tout comme tout bâtiment viable, tout comme école. Nous devons avoir des extincteurs. Si il y a une incendie qui s'est déclaré, la première des choses, vous devez avoir des extincteurs. Des extincteurs, oui, il faut avoir les personnels. C'est les ressources humaines. Qui seront là pour récupérer l'extincteur et pour calmer d'abord le feu en attendant venir de l'aide. De l'aide, les pompiers. Mais attendez un peu, Yves Bouya. On nous présente souvent le Lualaba comme une province qui est très bien gérée, avec à la tête une dame qui donne de l'impulsion pour booster le développement de cette province. Mais comment expliquez-vous? Il y a un incendie qui se déclare. Des élèves commencent à sortir par la toiture pour sauter en catastrophe. Et jusqu'au moment où les élèves prennent les risques de sauter, il n'y a aucun mécanisme c'est là qui, où est mis en place pour sauver les vies de ces enfants. L'image qu'on nous présente là-bas, c'est une province en construction. Mais vous avez des écoles agréées, des fois sans extincteur. Même ici à Kinshasa, est-ce que nos écoles disposent de ces extincteurs? Il faut maintenant introduire ça, exiger ça dans toutes les écoles viables. Dans tous les bâtiments même. Dans tous les bâtiments. Parce qu'actuellement, il y a des légalisés. Comme pas possible. Parce que les pompiers n'existaient plus. La brigade pompière, ça quoi? Quand vous appelez, toi la maïté, ça vient, ça t'embarque en retard. Il faut exiger des instincteurs dans des écoles existantes, viables, agréées. Il faut mettre à la disposition des écoles là, viables, agréées, les ressources humaines. Les personnes qui sont là, à camp d'incendie, ils interviennent en premier. Les sapeurs-pompiers. Quand vous allez dans les écoles, dans les pays développés, ça se passe comme ça. C'est comme ça que les choses évoluent. Le là-bas, j'ai été écœuré qu'on nous a toujours présenté l'image de l'Europe comme une province en construction, avec une dame qui se développe. Mais, j'ai fait des tweets,
On a dit qu'il n'y avait pas un camion avec ça. Il n'y avait pas un camion anti-incendie. Mais c'était venu en retard. Okay. En retard. Ça, on doit être honnête. Mm-hmm. Les véhicules anti-incendie. Il y en a, mais c'est arrivé en retard. Mais c'était arrivé en retard comme d'habitude. Ça, on doit être clair envers l'opinion. J'avais fait communiquer là-dessus, j'avais critiqué, c'est vraiment Mme Masuka, mais après, on m'a envoyé des images, inbox, pour dire que les camions anti-incendie étaient là, mais étaient arrivés en retard après les drames. Bah alors, ça signifie quoi? Que, autant que pour Jean-Denis Ngobila, autant que pour Masuka, autant que pour plusieurs provinces. C'est la même gestion. C'est la même gestion, et surtout des provinces viables, où se disent. Il y a de l'argent qui entre, il faut travailler pour les provinces, il faut doter toutes les communes des véhicules anti-incendie. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un incendie qui s'est déclaré, par exemple, soit au Lualaba, dans une commune de la province du Lualaba, et il faut que les véhicules viennent du Haut-Katanga. Non, il faut qu'avec l'argent de cette province-là, doter chaque commune des véhicules anti-incendie. Même 5 déjà approvisionnés en eau. Avec des personnes déjà payées. Quand un incendie se déclare, directement, les véhicules anti-incendie font ses déplacements. Mais l'image que vous avez donnée du Katanga, c'est pas du à la base, c'est pas ce qu'on a vu. Donc je pense que Mme Fifi Masuka doit aussi s'interpeller au même titre que les Kiaboula, au même titre que les Ngobila, les Kibadou, tous ces gouverneurs qui se disent que non. Les Ritabola qui se disent que non, nous sommes les meilleurs gouverneurs. Voilà comment c'est qu'on dit de nous. La bonne gestion avec des faux sondages. Monnaie à coup de billets verts. Oh, meilleur gouverneur. Oh, Ngobila, meilleur gouverneur. Oh, meilleur gouverneur. Non! Il faut travailler pour les provinces. Et pourquoi il n'y a jamais eu élection dans cette province du Lualaba, depuis de tout ce qui est comme des autres? Mais écoutez. Oui, j'ai parti. Il n'y a jamais eu élection. Vous connaissez la pénétration politique de Mme Fifi Masuka dans les régimes. Vous connaissez ce que cette province-là représente pour les régimes. Moi, j'ai été au Lualaba. J'ai beaucoup vu de choses au Lualaba. Que j'ai d'ailleurs dénoncé. Comment est-ce que les pouvoirs, les systèmes s'est installé au là-bas. Beaucoup de voyages là-bas. Oui, ça, beaucoup de voyages des dignitaires, des hommes forts du régime qui se sont élus domicile au là-bas. Moi, j'étais au là-bas beaucoup, j'ai trouvé des gens qui m'ont livré certaines informations. Récemment, la première dame venait d'être là. Récemment. Donc, la question des élections au là-bas, j'ai parti. Madame Massou, qui était colistière de M. Richard Mouyej, il fallait qu'en principe, les organisations, il fallait qu'il ait des élections au niveau du Lualaba. Très bien, on va évoluer. Mais vu la pénétration politique, l'ancrage politique de Madame Massou avec les régimes, qui va vous organiser les élections là-bas? C'est une province qui alimente. La province alimente okay. les puissants du régime. La province alimente les hommes forts du régime, les femmes fortes du régime. La province alimente. Très bien. Des hauts conseillers. Des puissants conseillers. Et qui va vous chasser, Madame Fifi Masuka, à cette province-là? Vous avez vu ici avec Madame Isabelle Kibasa, qui a tenté de sortir la tête, directement anéanti. On n'en parle plus. Hein? On n'en parle plus. Isabelle Kibasa tenté. Isabelle Kibasa, elle est dans la famille présidentielle. Et Madame Isabelle Kibasa, elle est descendue au niveau du Lualaba. Pompe, drapeau, calico, effigie, élection, Lualaba. Par rapport à ce qui s'est passé. Elle a été étouffée. Très bien. Alors, complètement étouffée. Mmh. Parce que la province alimente les systèmes. Très bien. Alors il y a un cas. Les régimes. La province alimente les dignitaires. Mmh. La province alimente les hommes forts. Et c'est une vérité. Ok. Que j'ai découvert quand j'étais là-bas dans le cadre du, je prends,
de la semaine du tourisme. La semaine du tourisme là-bas. Sous le leadership du ministre Modero Ntsimba, que j'ai salué d'ailleurs en passant, et de Jésus Dorichéke, qui était son directeur de cabinet adjoint. Comme journaliste, j'ai reçu beaucoup d'informations concernant la province. C'est une. Ah, c'est. Qu'est-ce que le terme? C'est. La manne du pouvoir. C'est la manne du pouvoir, ça alimente. Très bien. Et c'est une province remplie de minerais. Des minerais avec plusieurs gisements et sites. Mais je crains que les lois là-bas deviennent comme Mbujimayi. C'est là où j'interpelle les lois là-bas. Le fait d'exploiter des minerais dans différentes zones va créer des sites d'érosion. C'est comme le Mbujimayi aujourd'hui. Les gens ont exploité comme pas possible, à gogo, à souhait, les diamants en Mbujimayi. Regardez ce que Mbujimayi est aujourd'hui. C'est une province aujourd'hui remplie de sites érosifs. Très bien, on va évoluer. Et je crains que ce soit le cas avec le Lolaba, où on exploite les minéraux sans tenir compte des normes. Et le Lolaba va rester, va créer des sites d'érosion qui va appeler, qui risquerait de mettre la province en danger. Et c'est ça que j'ai vu avec l'entreprise, par exemple, Kamoa, qui t'exploite du cuivre, Kamoa, au niveau du Lolaba. Aujourd'hui, ils veulent arriver à 4 millions de production le jour du cuivre. Je pense ils vont aussi exploiter le cobalt. Je pense, je ne confirme pas. Mais c'est des étendues sur étendues. Mais quand maintenant ils vont partir, quand l'entreprise là, c'est une firme australienne, canadienne et tout comme ça. Mais quand la firme partira, ça va laisser des sites. Très bien, Yves Bouya. Et ça, c'est dangereux pour la province. C'est là où j'interpelle le Lolaba d'être prudent. Que les minerais du Lolaba ne vous poussent pas à la disparition de la province. C'est très important. Le Lolaba n'est pas outillé en termes d'infrastructure. Non, c'est une province qui est. Je vois à peine santé des construits. J'ai été au Lolaba. J'ai vu l'aéroport, j'ai pleuré. Mais j'ai vu, il y a un aéroport qui s'est construit. Quand j'étais là récemment, j'ai vu quelques bâtisses en train d'être construites. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a aussi la famille de Lolaba. Bon, je ne peux pas me focaliser sur les cas d'une province. Il y a la famine partout. Mais ce n'est pas l'image de Lolaba. Mais c'est une province qui essaie de respirer, de vivre. Je vois, moi j'ai notre objectif, l'aérogare, les petites bâtisses qui s'effondrent. C'est une province qui naît de ses cendres. Très bien, alors... Mais en termes de famine, la famine, qu'on puisse le dire, est objectif, ça n'existe pas que seulement au niveau du Lolaba. La famine existe dans toute la République. Alors, il n'y a pas d'argent pour financer la construction des infrastructures, il n'y a pas d'argent pour payer les fonctionnaires, selon le ministre des Finances, qui a fait savoir que les fonds sont actuellement alloués plus à la sécurité, il a parlé de plusieurs choses. Mais il y a quand même des fonds au niveau du gouvernement pour octroyer des avantages aux mandataires, aux responsables des entreprises publiques, avec des salaires allant jusqu'à 60 000 $. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris la signature de ces décrets qui octroient des avantages énormes aux mandataires publics? Il faut partir d'un fait. Il y avait une décision de l'IGF qui condamnait, qui avait refusé aux mandataires des entreprises publiques, que ce soit actifs et non actifs, de certains de leurs droits. Il y avait une correspondance, je me rappelle, de l'inspecteur en chef, l'IGF, que le Premier ministre a levé pour dire qu'ils ont tous, quand tu es nommé mandataire, vous avez tous droit à certains avantages liés à votre fonction. Que vous soyez mandataire passif ou actif. Passif, c'est comme les administrateurs, comme les PCA, les conseils d'administration, les présidents du conseil d'administration. Les mandataires actifs, c'est les ADG, les DG lui-même, les PCA. C'est un peu ça. Oui, oui. Alors, c'était des droits, des avantages
liés à la fonction, aux fonctions de ces quelques des mandataires que M. l'IGF, l'inspecteur en chef, avait bloqué pour un peu aussi régler des comptes aux gens. À l'idée selon laquelle, que ces mandataires bénéficient à ces taux d'émoluments et des avantages. Mais il a raison. Comment on peut avoir un député qui est payé déjà 21 000 dollars en même temps administrateur dans une entreprise où il aura $20 000? Si la loi ne l'interdit pas, je pense que c'est un droit. Si c'est reconnu par la loi, c'est un droit. La fonction des députés n'est pas incompatible avec celle des DG. Maintenant, il faut encore réformer la loi. Il faut encore réformer la loi. Si c'est incompatible ou pas. Un député peut être nommé mandataire. Il n'est pas actif, un mandataire. Il est passif. Il n'est pas élégant, si vous voulez. Non, moi je reste sur la loi. 20 000 dollars. Là, il faut revoir la loi. Il faut revoir la loi sur les statuts portant cadre d'un argent public et mandataire de l'État. S'il faut revoir, il faut revoir ça. Et ça a été discuté de commun accord avec les ministères du portefeuille. C'est un droit lié à la fonction que le gouvernement a juste reconnu de ces mandataires-là. Mais pour toi, si on a aujourd'hui des mandataires qui gagnent doublement, triplement, ça, il faut revoir la loi. Je suis d'accord, je suis contre. Mais il faut revoir la loi. Tant que la loi n'est pas réformée, on fera quoi? Il faut revoir la loi. Qu'est-ce que doit gagner un mandataire actif? Et qu'est-ce que doit demander un mandataire non actif? C'est quoi les avantages de lier d'un mandataire actif, non actif, par rapport peut-être à une fonction qu'il occupe déjà? Est-ce qu'il doit... il ne doit pas bénéficier de certains avantages ou pas? Ça, c'est à la loi. Il faut apporter une réforme là-dessus. Tant qu'on n'a pas revu ces avantages-là, ils en ont le droit. Ils ont le droit. Si c'est reconnu dans la loi, dans les statuts portant avantages liés aux avantages liés à un mandataire, à un cadre, à un fonctionnaire, soit à l'agent public de l'État. Ça, il faut revoir cette loi. Mais pourquoi octroyer plus d'avantages aux mandataires alors qu'on oublie les agents qui font carrière au sein de ces entreprises? Non, pas on oublie. Là, c'est moi, je reste sur le plan des droits. Tel que c'est reconnu, si c'est reconnu par la loi, ils doivent en bénéficier. Si l'État, le gouvernement estime qu'il faille revoir là, il faut apporter une réforme. Mais on sent que la réforme n'est pas apportée. On va respecter la loi. Très bien. Alors, pour les budgets, c'est encore une escroquerie. Non, Nicolas Razali s'est expliqué là-dessus. Non. Il n'y a pas eu montage. Pas eu montage. Il y a bel et bien 16 milliards. C'est pas nous, c'est les FMI. Mais l'Argentine de la République a parlé. Écoutez, les FMI. C'est lui qui gère au quotidien. Non, les finances vient de se prononcer. Moi, je crois aux institutions de Bretton Woods. Oh. Non. Moi, je crois aux FMI. C'est des institutions sérieuses. Ça ne ment pas, ça ne trompe pas. La Banque mondiale. C'est des institutions sérieuses. Très sérieuses. Mais le ministre du budget avait aussi fait une autre point pour dire qu'il n'y a jamais eu ce débat entre le gouvernement congolais et le FMI. Que ce soit Bogi, ils vont toujours embellir les décors. Le Congo est un programme formel, je pense, avec les institutions de Bretton Woods. Il y a un programme formé. Il y a la Banque mondiale venait de nous féliciter récemment. Oui, mais il y a 300 économies. Quand la Banque mondiale félicite, c'est bon. Quand le FMI dit non, vous devez revoir votre budget, c'est un budget fictif, c'est devenu mauvais. Non, c'est des gens qui ne travaillent pas dans l'opacité. C'est des gens sobres, des gens propres, des gens clean. Parce que le FMI, ça vous gêne les institutions financières du monde. Ça peut vous emprunter de l'argent si vous avez une capacité de remboursement, comme nous le Congo. Il y avait une des conditions sine qua non. Pour que nous puissions rentrer en programme formel avec les FMI, il fallait éponger notre dette extérieure. Nous avions atteint l'initiative PTTE. Sous Mouzito, nous avons épongé cette dette. Et nous sommes mis en programme formel avec les institutions des Bretton Woods. Je pense, je confirme, je ne crois pas, mais je pense du temps de Matata, c'était un peu rompu. Mais sous Mouzito, oui.
on a évolué dans un programme formel avec l'FMI qui, c'était un contrat assorti des conditions. Comment est-ce que vous devez gérer les finances publiques? C'était assorti des conditions. Et on arrive là. Nous, sous Kabila, sous Tshisekedi, je pense, c'était presque rompu. Sous Kabila, c'était rompu. Tshisekedi arrive. Parce que le climat des affaires était mauvais, il y avait la corruption, il y avait beaucoup de choses. On n'arrive pas à faire les bons élèves en ce qui concerne, nos ressources, nos gestions financières. La gestion financière. Tshisekedi arrive. Tshisekedi dit, on doit se mettre en programme formel avec les institutions de prix de nouveau. Ils ont commencé à travailler, ils ont félicité les débuts de Tshisekedi pour dire que vous travaillez bien. Mais c'est satisfait. Était devenu un moyen pour le Tshisekedi, le pouvoir pour dire que non, ah là, on peut se permettre de tout. Non! Eux, c'est une seule chose. Nous sommes en programme formel avec vous. Comment est-ce que vous gérez même vos budgets? Comment est-ce que ça vient en appui? Comment vous gérez vos ressources financières? On peut intervenir ou pas? L'FMI, la banque a toujours dit le Congo, on peut toujours emprunter l'argent au Congo parce que le Congo a une capacité de remboursement. Par la preuve, toutes les grandes nations du monde ici s'endettent. Parce que les FMI voient, est-ce que vous avez une capacité de remboursement? Oui. Les FMI, la banque, peut nous emprunter de l'argent. Ils savent que le Congo a une capacité de remboursement. C'est par déjà nos sous-sols, nos minerais. Le Congo peut rembourser. Mais comment fortifier cet argent? S'il nous remboursait, c'est construire les infrastructures routières, relier les provinces entre provinces. Permettre les commerces, que les provinces puissent commercer entre elles. On s'endette, on vend ce qu'on donne, les minéraux, et on avance et on doit rembourser. Mais les FMI avec qui le Congo est en programme formel comprend que nous sommes en partenariat. Mais votre budget, c'est de l'escroquerie. C'est faux. Non, mais le gouvernement à travers. Moi, je n'ai pas parlé du gouvernement. Moi, je parle du FMI. Moi, je parle pas du FMI. Mais le FMI est venu chez moi. Qui gère la République? Mon frère, le FMI, ils ont dit ça dans une discussion avec le gouvernement. Et même moi, j'ai démenti cela. Moi, j'ai. Nicolas Razadé a démenti cela également. Moi, je suis. Les Kabilistes aussi les faisaient. Tous les faisaient pour embellir les décors. L'FMI n'est pas une institution qui parle sur base des mensonges. Ils vous ont dit votre budget, c'est une escroquerie. Elle est irréaliste. C'est imaginaire. C'est un budget aberrant. Fantaisiste. Fantaisiste. Revoyez votre budget. Irréaliste. On se voit comment est-ce que vous allez maximiser ces recettes. Vous allez prendre cet argent. Pourquoi vous nous pompez? Dans un pays sérieux, on appelle tous ces ministres qui sont dans la chaîne des dépenses. Ils devraient être jugés. Même certains députés. Mais ils se sont expliqués, ces ministres. Je vous dis, mais ils s'expliquent. Qu'est-ce qui justifie les propos du FMI? C'est qu'il y a un malaise. Si c'était la transparence, c'était un budget réaliste, le FMI n'est pas grondé. Le FMI n'est pas une institution des escrocs. Ce ne sont pas des aventuriers. Ce ne sont pas des menteurs. C'est des personnes réfléchies. Mais tout comme aussi le gouvernement. Pas irréfléchis. Le gouvernement congolais n'est pas aussi une institution des escrocs. Ils sont venus ici en concertation. Ils ont dit au gouvernement que le FMI, qui est partenaire au gouvernement congolais. Mais pourquoi vous ne voulez pas aussi accorder du crédit à la déclaration du ministère du budget qui estime que cette question n'a jamais fait l'objet d'un débat? Vous voulez dire que les FMI ment? Vous voulez dire que les FMI, c'est eux, ce sont des menteurs? Si, non, écoutez-moi. Si je dois me tenir à la mise au point du ministère du budget, ça signifie quoi? C'est que Kazadi, bon, je dis que c'est que Kazadi, c'est grave encore. Au propos de Kazadi et de Bosch, leur mise en place, leur mise au point, ça signifie, donc, Mabimisi et Fim Mabimibi, Mabimisi et Fim des menteurs. Mais il ne sont pas aussi obligés de nous sommes en partenariat. Raconte. Toi et moi, nous sommes en partenariat. Quand il y a un couac, il y aura un partenaire qui dira non, ici il y a un couac. Prenez vos responsabilités. Arrêtez de tromper les peuples.
arrêter de tromper les Congolais. C'est un budget de 16 milliards. C'est un kadiocha. Ils ont dit le budget du Congo, c'est un budget à hauteur de 3 milliards de dollars. Donc, ça vous arrange, hein? Les 11 milliards là, les gens, les 12 milliards. 16. Les 16 milliards, non, les 13 moins 16, les 13 milliards étaient une farce. Comment un gouvernement peut manquer tout un peu sur un budget? C'est le FMI, moi je m'en souviens du FMI, qui est une autorité budgétaire, une institution budgétaire à travers le monde, qui travaille avec les grandes banques, qui est le monde de la finance. Vous allez me dire que Christine Lagarde, c'est une menteuse. Donc, Bosch, et l'occasion de faire nous dire que Christine Lagarde, c'est une menteuse. Parce que c'était la présidente de la FMI. La française est une menteuse. Bosch et Nicolas Kazadi veulent nous dire ici que tous la délégation de la FMI qui est arrivée, c'est des menteurs. Ils n'ont pas qualifié le FMI des menteurs. Mais non! Ils ont fait savoir que c'est un budget de 16 milliards. C'est le nom de réseau FMI. Ça n'a jamais été débattu. Écoutez, oh, mais on a dit budget, c'est le parlement, des associations à atteindre. On a tenu ici des personnes qui disent Fati, le pouvoir, nous avons ramené le budget à 16 milliards. La question du budget n'a jamais été débattue entre le FMI et le gouvernement congolais. Noël Tchani, ici pour dire Noël Tchani. Noël Tchani, qui est très proche du pouvoir, pour dire que c'est de l'escroquerie. Noël Tchani. Tant qu'on comprenait bien. Comment il a dit Noël Tchani. Pas Tchani, j'ai dit Noël Tchani. Pas Tia, Tchani. Il avait nous dire ici, Noël Tchani. Il veut nous dire ici que les dettes publiques n'ont jamais atteint, je pense, les 1 milliard. Ça se balade juste sur les 500 millions. Comment est-ce qu'on peut atteindre un budget de 16 milliards? Noël Tchani. Noël Tchani. Des pères et des mères. Et veut nous dire ici que c'est irréaliste. L'FMI a raison. Comment vous avez un budget de 16 milliards? Vous n'arrivez pas à payer les salaires. Vous dites, les fonds sont ça va. Écoute, mais on nous a cité ici loi de la programmation militaire. Un milliard. Une réforme apportée. Ça n'a jamais été promulgué, je pense, cette saison. La loi sur la programmation militaire. Où sommes-nous? Budget 16 milliards. Les salaires des agents et fonctionnaires de l'État postposés. Donc, ma cagnie, c'est 3 mois. Cagnie, c'est mon bout. Donc, toi, ton salaire du mois de janvier, que fait Thomas, tu seras payé au mois de mai. Ils ont, le gouvernement, tu sais qu'il dit, a postposé les salaires des agents et cadres de l'État. Mais sous Kabila, avec un budget de 3-4 milliards, on quitte les 3-4 milliards que Mouzou de Matata nous ont laissé avec un taux de 92. Le pouvoir Tshisekedi nous ramène les dollars au-delà des 16. 23 aujourd'hui. 23. Au-delà des 16. Sous Kabila, avec 4 milliards et la bancarisation apportée par Matata, qui avait apporté la institution de réforme de la bancarisation, que tout l'argent des agents et cadres de l'État doivent passer par les banques. À un vrai budget de 3 ou 4 milliards que nous avions connu en 2012. Entre les 17 et les 25, tous les fonctionnaires étaient servis. Les fonctionnaires étaient payés. L'échéance de la paye était respectée. Les 28, moi je me rappelais, mon père partait à la banque, à la SNEL, on dit, ah, le 28 de l'argent est passé. Papa prenait son argent à la banque. Il payait nos études. Il nous nourrissait, il nous habillait, il payait les loyers. On va évoluer. Papa le faisait. Mais maintenant, les fonctionnaires sous ces régimes, avec un budget de 16 milliards, les salaires sont postposés. Avec un budget de 16 milliards, les taux est galopant. Est-ce que les salaires sont postposés? On change les dollars à combien? Tantôt 21, 22, 23. 24. Est-ce que c'est galopant. Les salaires des fonctionnaires. Avec un budget de 16 milliards. A été ajusté en fonction du taux. Ou ils sont toujours payés. Est-ce qu'on a un taux valable ici dans ces Congo? Quand le gouvernement dit qu'il ne faut pas. Ça, c'est un pays sérieux. La Banque centrale.
la banque centrale, il faut qu'on remarque. C'est un pays sérieux. Depuis lors, rien n'est fait. Mais qui impose là, les taux au pays? Ce sont les cambistes. Les cambistes. La banque centrale parle de la spéculation. Non, mais ce sont eux. Les taux n'est pas connu. Au niveau de la banque, c'est les taux n'est pas connu. Au niveau de la banque centrale, c'est à 20 500. Si on a un taux à 24, la banque centrale, c'est 20. Toi, mon ami, dollars. On dit Yves, les cambistes, les taux sont à 24. À la banque, c'est à 22. Toi et moi, on ira où? Hein? Toi et moi, nous avons 10 dollars en main. On lui dit, bon, si tu veux changer tes 10 dollars là, tu auras 22 000 à la banque centrale. Tu auras 24 000 chez les cambistes. Tu auras, on ira où? Chez les cambistes? Pour avoir les 24 000 dollars, les surplus de 2 000 francs, on aura chez les cambistes. L'État n'excède pas régulier ce secteur. Mais quand vous avez des institutions qui fonctionnent avec des changeurs, on a attendu ici Nicolas Ducasse de nous dire, c'est qu'on doit leur prêter 70 millions auprès d'une personne tierce pour payer les exigences de l'État. Qui sont ces personnes tierces-là? Les Libanais! Les Indo-Pakistanais! Qui ont amené notre économie! Qui ont monopolisé notre économie! Et vous vous dites ici, budget de 16 milliards. Budget de 16 milliards. Il fallait nous laisser avec notre budget de 3 milliards, de 4 milliards. Au moins, on savait que nos papas, nos mamans, les fonctionnaires, chaque les 28, se rendaient au niveau des banques, à la banque, pour percevoir leur salaire. Au lieu de nous présenter un budget qui a quadruplé, mais inexistant, qui a postposé les salaires. Alors, on veut quoi? On veut quoi? Moi, je préfère travailler dans un endroit où je sais que mon salaire est régulier. Au lieu de travailler dans un endroit où tu gagnes plus, mais ton salaire n'est pas régulier. Très bien, on va évoluer. Alors, l'AFM dit que notre budget, c'est 3 milliards. Donc, on a un budget que Moussa nous a laissé. Mais le gouvernement signe et persiste que notre budget, c'est bel et bien 16 milliards. Moi, je vous dis, c'est pas moi. On fait confiance au gouvernement congolais. L'AFM a dit, le budget du Congo, c'est 3 milliards. Donc, notre budget... C'est comme le budget de Mouzite. Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter que ce sujet n'a jamais été débattu? Moi, je suis journaliste ici. On a payé la dette extérieure. On s'est mis en programme formel avec le Bretton Woods. Ce programme formel ça a été assorti de plusieurs conditions. Notamment, mettre fin à la corruption. Très bien. La gestion des ressources financières. Ça. C'est comme ça que ces institutions fonctionnent. Et si on respecte ça, on peut être en possession d'endettement. On peut s'endetter, demander, emprunter et rembourser. Mais l'FMI qui est le partenaire. On voit Nicolas Kazali s'est promené, non? Oh, j'ai été à Washington, au chef de FMI, au partenariat formel. On a scellé un contrat. Nicolas Kazali ici. On a lui, l'Argentin national. Et on fait FMI. Oh, oui. Quand l'FMI vous félicite, on a fait ça. L'FMI a dit, votre budget, c'est 3 milliards. Donc notre budget qu'on a ici, les sous Tshisekedi, c'est le budget que Mouzito nous a laissé. On va évoluer, Yves Bouya. Qu'il a plus un peu ramené à 4 milliards. D'ailleurs, Mouzito, nous ont laissé à 4 milliards. 4 milliards, 500 000. Des fois qu'on peine à mobiliser. Mais, l'FMI dit, sous le pouvoir Tshisekedi, que votre budget est de 3 milliards. Donc, si on n'est pas de 3 milliards. On a régressé. On rentre en arrière de 13 ans. Très bien. On va évoluer. Pour dire qu'on a besoin de 13 milliards. Donc, rien n'a évolué. Ce n'est pas une bouillie. C'est les FMI qui l'a dit. Je n'ai pas effacé ça. Et ça, j'étais content. Parce qu'on dormait. Et les recettes ont quadruplé la DG. Les types là, au Barnabé Mouakadi, est allé au-delà des assignations. Oh. Les Alignettes, il a bouché les vols. La patrouille financière. Beaucoup, les caisses ont été renflouées. Oh, moi je dis, mais on parle au Parlement là-bas, l'Union sacrée, budget 16 milliards. Fatibé, oh, je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui n'avance pas? On est obligé de 16 milliards. On est dans la pauvreté. Les temps sont devenus durs. Plus durs que du temps de Kabila. Nzale Koti Namboka. Batba Kabara Soussouté. Et c'est la députée nationale, députée provinciale. Ministre, conseiller à la Kabara Soussouté. Les moments sont devenus durs. Mais qu'est-ce qui justifie cette chasseresse?
Kabouya vous dit la guerre en Ukraine. La guerre à l'Est. La guerre à l'Est. Donc pourtant, ils oublient qu'un budget est ventilé. Un budget est ventilé. Quand on veut prendre. On a pris tous les budgets de la République, on a envoyé à l'Est. Donc ça veut dire que l'État n'existait plus, l'État ne fonctionne plus. Comme l'État n'existait plus, ne fonctionne plus. Mais et ses ministres, ses gouvernements, ses députés, à la présidence. Ils accusent aussi des. Les gens sont ils garnis. Ils aussi des affaires. Batou le Kouébo, ça en est plein. Non. Au Sénat, c'est deux mois derrière. Mais sur les trains de vie. Est-ce que hier, Mbos était capable de vous réunir 300 personnes dans sa résidence? Quand il avait son affiche là, non, ne touchez pas ma bunda. Il était dans cette capacité-là. De vous réunir 300 personnes dans une résidence. Des pasteurs. Des pasteurs pour mobiliser. Le 29 avril. Le 29 avril. Une grande mobilisation. Mbosso était dans cette capacité-là d'il y a 5 ans. Quand il avait dit, ne touchez pas ma bunda. Mbosso, vous réunir 300 personnes dans une résidence. Mbosso. Est-ce qu'il a fait avec l'argent de l'État ou... Je ne dis rien. J'ai fait une analyse. Député Mbosso, avec son calico, ne touchez pas à ma bunda. Ne touchez pas à ma bunda. Pouvait-il réunir 300 passants chez nous à la maison? Il a fallu attendre qu'il soit présent à l'Assemblée nationale. Pour mobiliser. Avoir des gens derrière lui. 300 pasteurs, vous ça représente 300 pasteurs. Mbosso, avec son calico comme ça, il veut dire... Ne touchez pas ma bunda. Lui, Mbosso. Il pouvait réunir 300 pasteurs dans une heure, 300 pasteurs. C'est l'image des gens qui ont plus amélioré leur vie. En lieu et place d'améliorer. C'est ça le drame avec nos dirigeants. Au lieu d'améliorer la vie des gouvernés, les gouvernants a plus amélioré sa vie. Au lieu d'améliorer la vie des gouvernés, Mboka Nanzala, Mboka la chasseresse, Batoua Kabaraji Souté, Libekoumi problème, Kouya problème, les Maléwa, les gens ne veulent plus Maléwa. Tout flambé des prix. La vie est devenue intenable. La solution, dans les ménages. La solution à ces problèmes. Dans les ménages, les gens mangent la nourriture de 4 jours. Boulambi lundi jusqu'au jeudi. Alors que les parents. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non, sous Kabila. Ça n'a pas commencé avec Fatih. Sous Kabila, c'était 2 jours. Ok. Et actuellement, c'est 4. Sous Kabila, c'était 2 jours. Boulambi lundi. Bouliamouti mardi. Alors que papa, les 28 doivent foutre à ravitailler maman pour la promotion. Mais là, sous ces régimes. Entre nous, Yves Bouya n'a pas les naïo. Mère Alain Mablo à 4 jours. Ouais, chez moi à la maison. Mais les calculs, ils veulent compliquer la maison. Bouya. Hervé et Thomas, moi j'ai fait une fois les marches avec mon épouse à Ouenzamoula. Si tu donnes du dollar à ta femme, les problèmes de foyer, de couple ici, c'est les manger à la maison. Les problèmes de couple ici, tu sais comment les gens se démènent à des couples pour que les gens puissent manger, pour bouffer. C'est devenu des problèmes plus que les problèmes des lits. Pour manger, dans la maison des gens. Pour que les gens puissent manger la journée. Moi, je l'ai fait une fois. J'étais à couteau tiré avec mon épouse à la maison. Mais tu as 10 dollars. J'ai dit comment. Le Saint-Esprit me dit accompagne ta femme au marché. C'est le Saint-Esprit qui. Le Saint-Esprit. Je prends ma femme. On descend. Moi, je suis des bandales. Elle s'est gavée des bandales. Où est le Winzamoula? Derrière le Winzamoula. J'entre au marché. Mon épouse me donne 10 dollars. Prends. Je dis, ah non, prends. Ça a l'air d'expérience. Parce que, oh, maintenant, la télévision. Je dis, non, je prends. Ah. Je pars aussi au marché à Winzamoula. Maman, ça coûte un foufou combien? Hé, hey, papa, ça coûte un foufou 1500. Oh. Thompson, combien? Thompson, c'est mon bimba, bimba, boy, 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 mais plus que boy. 8000, 10000. Si on voit mot éteigné, il est éteint à Thompson. Donc tu vois Thompson en entier. Bakati Moutou, ça se vend au marché. On rigole, on est dans le sérieux. Moutou à Thompson. Thompson à mon bimba. Bakati Moutou. Pac. Bakati le gouna 500 francs. Moutou à Thompson. Bakati l'opel. Pac. 500 francs. Liboumou. Bavani. Tu vois, j'étais démaboumou à 1500 Thompson. Là où nous sommes là.
Oui. Bino, on peut pas, Nicofal nous fait un grand travail. J'ai donné raison ce jour à Nicofal. Où il combien? Bidon ou il boy? 1500. Hein? Mais quand tu achètes ça pour 10 dollars, bon ça combien d'ako? Mipiku, yaba mdunda, yaba légumes et comme ma chair. Yango j'ai dit, un petit de mon avenir m'a dit, vieux, biso, ton moulin m'a bloqué, il y a 4 jours. Oh! Comment tu as 4 jours? Non, et comment tu as dit, tu as chauffé à raca. Oh! Tu as chauffé à raca. Petit, j'ai dit, petit, oui, vieux, biso, tu l'as mis lundi. Mais en quelque sorte, jeudi. Tu vois? Mais en quelque sorte, jeudi. Lundi, bon, l'ambi. Mardi, la mère a su partir. Alambi, Akilango peut être Makoso. La solution à ces problèmes s'appelle l'Union Sacrée, qui verra sa sortie officielle ce samedi 29 avril. Une grande mobilisation s'annonce. Tous ces leaders, Bemba, Kamere, Kabuya, Samaloukonde, Bati, Mbosso, seront au stade des martyrs. Ils vont mobiliser la population. Question de les conscientiser afin de donner un deuxième mandat à Félix Tshisekedi afin de parachever. Le deuxième mandat de Tshisekedi ne passera pas par les meetings du stade des martyrs. Ça, c'est un grand rêve, un gros rêve qui plonge dans un coma. Les blancs de Tshisekedi, l'élection de Tshisekedi passera de par son bilan. C'est pas cette réunion du stade des martyrs là. Et qui sera des raccours des billets verts? Comment ça? Attendez un peu, Bouya. Vous remettez en cause la capacité de mobilisation de quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba. Quelqu'un comme Vital Kamerhe. On verra des vidéos ici. Attendez, Bouya. Écoutez, on verra des vidéos ici où on va remettre déjà de l'argent. Non, mais attendez, Bouya. Écoutez. Vous remettez en cause la capacité de mobilisation des Bemba. Je vous ai dit. Kamerhe. Moi, je ne veux pas citer des Kabuya, des Bahati, des Mosso, des individus. Des Samaloukonde. Je m'abstiens à citer des individus. Je les remets tous dans un même panier, l'Union Sacrée. J'ai dit ici, l'élection de Tshisekedi ne dépend pas de cette messe-là. Ça dépend de quoi? De son bilan. Mais son bilan, c'est positif. Son bilan est positif pour son parti politique. Ah, pas pour les Congolais. Le bilan de Tshisekedi, le bilan de Tshisekedi est positif pour l'UDPS. Positif pour les MLC, positif peut-être pour l'INC, positif pour Mbosso, positif pour Bahati. Mais est-ce que ce bilan est positif pour ces Congolais qui ont son baga, Moutoua Thompson à 700 francs? Non. Le bilan de Tshisekedi, sa réélection, dépend de son bilan. Ce n'est pas cette grande messe Mayekouna à la salle des marques. On a terminé l'émission. Et puis tu verras ici, ça sera à coup de billets verts, la mobilisation. Mais je vois. Toutes ces têtes-là, j'ai aimé les toutes de Peter Tiani, mon ami et frère Peter Tiani. Elle a dit, toutes ces têtes de l'Union Sacrée-là, pour remplir le stade de Marty, il doit être à 5 à 10, par rapport à Fali lui-même. Et on doit associer les églises. Et recourir aux églises. Les kabilistes. L'émission est terminée. Écoutez, le temps 30 secondes après tout. Oh. C'est très... Peter nous suit. C'est le programme. Peter m'a dit, Peter me suit. Peter me suit, on a 2 minutes. Peter me suit ici. On me suit. On me prend au sérieux. Peter m'a écrit, il m'a dit prenez 2 minutes. Hein, il a s'il te plaît. Donc le bilan de Tshisekedi ne passera pas par cette messe-là. Ça sera le bilan. A-t-il ou pas satisfait les Congolais? Les kabilistes en ont fait. Plusieurs fois d'ailleurs. Et vous rappelez la dernière messe, c'était la pluie. Et je crois qu'il y a une pluie, que la pluie s'est battre là-bas. La dernière fois, il y avait une forte pluie auprès du peuple. Au stade des martyrs,
il y avait une prière à l'initiative d'un pasteur. Tous ceux qui font là sont, qui ont fait des lions sacrés. Tous, moi, j'ai dit, mon frère, on a terminé ça, c'est l'illusion du pouvoir. Très bien. La réélection du président de la République n'est pas de son bilan. A-t-il ou pas satisfait les Congolais? Tout ce qu'on voit là, c'est une musique qui 100 kilos. Très bien. Et là, ma bokeh, Oyo, les gens se réuniront, ne seront pas en cosmos avec le peuple. Malheureusement, ça sera à coup des billets verts. L'argent de l'État, une école brûlée là-bas. On se va offrir un camion anti-incendie. Mais les gens vont envoyer l'argent pour mobiliser. L'émission est terminée. Le pays se meurt, se perd. Nous sommes sous occupation. Mais on va voir des gens dans un podium samedi en train de chanter, de danser, de faire ceci. Le pays est dans la souffrance. JB serait invité à ces. On verra. À cette activité. L'émission est terminée. Les hommes forts. Les grands musiciens affiliés à un système. Très bien. Qui vont se régaler. L'émission est terminée. Qui vont se régaler, malheureusement, les samedis. C'est là où je dis, les Congolais ne sont pas dedans. Très bien. C'est une mobilisation, ça sera, je l'ai dit. Votre message est passé. À coup des billets verts, ce n'est pas une mobilisation en odeur de sainteté. Très bien. Avec le peuple. Parce que le peuple ne se retrouve pas dans cette mobilisation-là. Les peuples voit sa souffrance. Grand merci. À Koti Wenze, à Moni Moutoua Thompson. Grand merci à vous, Yves Mouya. Moutoua Thompson. On doit respecter la grille des programmes. Grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Ça ne finit, mesdames et messieurs, pour Perfect Actu de ce mardi. J'avais reçu pour vous Yves Bouya avec lui. Nous avons passé en revue les grandes questions d'actualité. On se retrouve demain mercredi avec un autre invité, peut-être avec les mêmes actualités. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien.